dans cette Marseillaise. Oui, je crois que tout le monde, parce qu'elle était chantée, mais elle était bien chantée par le public stéphanois. Et c'est un bon lancement, je crois, pour ce match, le premier match officiel du reste entre la France et la Roumanie. Une équipe de France que l'on voit se présenter sous vos yeux à ossature nantaise. Ossature nantaise pour ce France-Roumanie que tout Saint-Etienne attend depuis longtemps. Alors que monsieur Sundell, l'arbitre, monsieur Leif Sundell, l'arbitre suédois de ce match, orchestre le toss entre les joueurs bleus qui avaient subi à Bratislava, ne veulent pas que ça se reproduise. Ils vont aller chercher l'adversaire très haut, même si cela représente des dangers. Et car cette équipe des jaunes roumains est une des reines de la contre-attaque. Premier ballon chipé ouais. par Cantona. Cantona qui a subtilisé le ballon à Gheorghe Hagi. Oui, la tête de Cantona, c'est bien fait. Marcellement, ce team of T, mais il a été bien pris. Superbe sortie de Karambe. Quel beau geste d'Ili Cantona qui a pris ce ballon pour Jocelyn Anglomas. Avec Cantona, Pedro, c'est bien fait. S'en est bien tiré. Cantona. Allez, dedans dans le paquet, au second poteau, Nicolas Wedek. Oui, superbe. Superbe volée, Nicolas Wedek, juste à côté de la cage de Stelea. Comme il s'était bien touché et comme ce centré. Hagi qui est venu prendre ce ballon, relancé sur le côté, on cherche Hagi dans le rond central. Longue balle en avant pour Adou Choyou, pas de problème pour. Non, en relançant immédiatement. Issarasou avec son capitaine Eric Cantona, à la lutte avec Hagi. Cantona, Hagi. Hagi un petit peu bousculé par Angloma, va bénéficier d'un coup franc. Et ils sont deux là, 2-2, Hadji et Dumitrescu. Oh là, pas mal. Les râteaux. Oui. Ah, pas mal. Bien fait Dumitrescu pour Hagi. À nouveau Dumitrescu. Bon jaillissement de Jocelyn Angloma. Cantona. Passe un peu appuyé. Ah, c'est Angloma. Cantona. Entouré par trois Roumains. La liaison de défense et milieu du terrain. Ah oui, avec ça marche très très bien. Hagi qui s'est. Attention à la frappe d'Hagi. Oui, attention Hagi, la frappe. Une frappe, un ballon qui vole un petit peu. Mais qui passe assez loin de la cage de Lama. Cette première période. Cantona. Belle aile de pigeon au loco. Wedek. Oh là 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 là. Je n'irai pas marcher sur. Issarasou, Cantona. Énormément de talent sur cette sortie. De Saï qui a joué avec Cantona. Petrescu, Hagi. Toujours Hagi. Il en a passé un, mais il n'a pas passé l'autre. Faute, estime M. Sundell. Les Français ne protestent pas non plus sur place. Devant Laurent Blanc qui avait poursuivi son action. Hagi sur le côté. Tête de Karambe, récupération Hagi en position d'ailier gauche. Attention à Radu Choyou, oui, Bernard Lama. Ouais. Cantona. Laurent Blanc qui monte. Ouais, mais il y a un trou là entre la défense et. Cantona. Et il faut aller l'aider. Voilà, c'est ce que fait Jocelyn Angloma. Au second poteau, tête et but. Ah, ah, superbe arrêt de Bogdan Stelea. Quelle belle occasion, quelle superbe occasion pour Loco. Tête de Karambe, dégagement de Desailly, récupération Hagi. Si elle sort, elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie, mais le ballon est toujours roumain. Hagi sur le côté, attention, danger. Bien joué. Sur, les joueurs les plus dangereux pour l'instant de la sélection roumaine. Hagi. Cantona. Obligé de revenir. En faveur de l'équipe de France. C'est Cantona et c'est au-dessus. Ouais. Avec Petrescu. Vers Wedek. Cantona ou Belodedic. Oui, superbe arrêt. Stelea sur cette frappe de Cantona. Ah, il a trempé les gants dans le bénitier. C'est pas fini, c'est pas fini. Refrappe et là, superbe arrêt. Il est chaud, Stelea. Il est sollicité
il fait preuve de beaucoup de talent, le gardien de but roumain. Oui, oui, car effectivement, Popescu, Alji. Ah, superbe joueur ce Hadji. Avec là-bas un bon ballon pour Eric Cantona. Un petit peu tardé, le contre lui est favorable, oui, non, oui, non, non, oui. Et une faute. Et une faute. Qui va récupérer ce ballon? Cantona, oula, il est passé, non, oui, non. Contre... Pour que les Français récupèrent un petit peu, regardez la qualité de la transversale de Bello Dedici. Oui. Et le grand pont, aérien. Le sombrero de Hadji. De Hadji, oui. Dan Petrescu, Hadji. Oh, quel bon ballon, en coup de sifflet. Cantona. Ça n'a pas profité car il y avait une belle faute sur Desailly. Et là, il y a une belle faute sur Hadji et son équipe de Roumanie alors que l'on joue la dixième. Oui, bien fait. Ah, dommage. Timofte, deux fois, les contre Ilvesco. Hadji. Oh, il a bien récupéré. Timofte. Ce sera pour Pedro. Ça avance au tableau d'affichage. Cantona, centre de Cantona du match de Bratislava, Carambeu, Cantona. Ah, ils en veulent les Français, ça je vous garantis. Hein. Hadji. Timofte avec Hadji. Attention, attention Hadji. Les bleus, attention. Il est passé. La faute sur Hadji. Et tout à l'heure, j'ai pu entendre va chercher Zizou. On a insisté là-bas. Cantona. Oh, c'est pas vrai ça. Oui, comme vous dites, Thierry, c'est pas possible. 25 minutes. Et ballon récupéré par Hadji pour la Roumanie. Et toujours une possibilité pour ces Roumains. Ils font flotter quand même un petit peu de fusil. Rodan. Hadji. Petrescu. Il est revenu Cantona pour récupérer ce ballon. Ballon, il en reste 12. Allez, Reynald, allez, petit. Hadji. Marius Lacatus. Lissarasiou. Allez. Eric Cantona. Lissarasiou. Encore à gauche. Il faut insister à gauche, allez, tant pis. Il y a du monde. Petrescu encore sur la tête de Panduru. Lacatus. Encore Carambeu qui était là au milieu de la bagarre. Il est dans la mêlée. Attention là-bas. Hadji. Hadji. Pas de faute. Pas de faute, Christian. Carambeu qui met ce ballon. Oui, Cantona. Panduru. Hadji. Ah, il est passé. Ouais, il est passé. Fait. Il a réussi l'écran. Et Panduru. Hadji. Carambeu revient. Carambeu revient. C'est la fin, Thierry. Et la fin. C'est la fin. Et une équipe de France qui aura fait tout ce qui était en son pouvoir.